Il y a les marchés, il y a les boutiques qui ont pignon sur rue, et puis il y a celles qui sont super bien planquées. Voici Il Salone, une boutique perchée au 4e étage et spécialisée normalement dans le design italien, la chaussure et les sacs à main entre autres. Avoir un commerce haut perché, ça a des avantages, mais pas que. Les inconvénients, c'est que la boutique n'a pas pignon sur rue. L'avantage, c'est justement un endroit intimiste, un endroit où on va pouvoir s'occuper des gens, prendre le temps de leur offrir un petit café, de discuter avec eux, ils vont pouvoir poser leur veste, leur sac et découvrir tranquillement la collection. Et comme il faut bien attirer l'attention des clients potentiels et qu'un drapeau ne suffit pas toujours, chaque mois, un artiste est invité pour remettre la puce à l'oreille et ce mois-ci, c'est l'association Libre Objet qui s'y colle. Ces objets servent d'une part probablement à la décoration pour la boutique, mais également ça permet de faire connaître Libre Objet à l'ensemble des clients de la boutique. Demain, à partir de 19h donc, vous êtes invité à donner votre avis sur ces sacs et tabliers réalisés avec des paquets de café. L'objet qui emportera un bon paquet de suffrages sera réalisé par l'atelier d'insertion de la rue Tiergarten et vous réaliserez que vous venez de faire une bonne œuvre.